Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venue partager avec vous une recette de beauté, une recette que j'ai adoptée depuis que j'ai découvert. C'est l'huile d'orange, fabriquer sa propre huile d'orange. Pourquoi l'huile d'orange? L'huile d'orange, comme vous savez, c'est une source de vitamine C. La vitamine C nourrit de profondeur la peau. Elle aide à produire le collagène et qui dit collagène dit rides. Donc l'huile d'orange, elle aide à diminuer les rides qu'on a déjà sur la peau et prévient à la peau des nouvelles rides. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi, on va commencer notre recette. À tout de suite. Donc comme vous voyez, on a besoin d'une orange ou deux, donc ça dépend de la quantité que vous voulez faire, et aussi de l'huile de table. De préférence, bien sûr, que ça soit végétal. Donc, soit l'huile de tournesol ou bien l'huile de maïs. Donc, c'est une huile végétale. Donc, je vais d'abord commencer à prendre un petit peu de la peau, comme vous voyez, comme ça. C'est juste trois que je vais utiliser à la fin. Voilà. Donc, je les laisse de côté. Et là, j'avais déjà commencé à râper une orange, comme vous voyez. J'ai utilisé cette râpe. Donc, bien sûr qu'on peut râper ou couper en petits morceaux, mais si on veut vraiment avoir le maximum des huiles qu'on a dans la peau de l'orange, il faut la râper. Donc, celle-là, elle est presque toute râpée. Bien sûr, comme vous regardez. Donc, j'enlève que le côté orange. Donc, j'arrive même pas au côté blanc. On a besoin que de la partie orange. Donc, je vais passer à la deuxième orange. Donc, vraiment juste le côté orange. Donc, je laisse la vidéo tourner. Comme ça, au moins, vous voyez très bien ce que je fais. Le côté blanc, c'est un côté amer où il n'y a aucun intérêt pour notre peau d'avoir un truc amer sur la peau. Non, on n'a besoin que du côté orange où il y a tout ce qu'il faut pour notre huile. Donc moi, j'ai pas besoin de faire une grande quantité. Puisque je peux le faire quand je veux chez moi. Donc, je vais arrêter là. Donc, voilà. Je récupère tout. Moi, j'utilise mes mains. Hein. Je suis quelqu'un de très manuel. J'utilise mes mains. Voilà. Donc, comme vous voyez. Je vais quand même nettoyer mes doigts. Donc là, on va ajouter de l'huile. Donc pour la quantité de l'huile, ça doit couvrir notre mélange. Donc je vais le mettre chauffer au bain-marie et je vous retrouve tout de suite. Donc là, comme vous pouvez constater, donc j'ai mis mon mélange au bain-marie. Moi, j'aime bien mélanger avec une cuillère en bois. Je préfère. Donc là, on va laisser chauffer pendant 30 minutes. Donc, on n'est pas obligé de rester à côté pendant les 30 minutes. Mais chaque 2 ou 3 minutes, maximum 4 minutes, il faut venir et mélanger. Bien sûr que je n'ai pas oublié que j'avais laissé un petit peu de peau d'orange de côté que j'avais coupé avec mon économe que je vais mettre dans l'huile, mais pas tout de suite. Je vous dirai quand il faut le mettre. En attendant, on va de temps en temps mélanger. Déjà, ça sent l'orange. Bien sûr que je ne vais pas laisser la vidéo pendant 30 minutes, ça va être trop long et je crois que vous allez vous ennuyer. Du coup, je vais laisser chauffer et je vais revenir mélanger de temps en temps. À tout de suite, ne zappez pas. On mélange encore un petit peu
Comme je vous ai dit, chaque 4-5 minutes maximum, on mélange. Là, on commence à voir. Je vais mettre un petit peu de lumière. Donc, ça commence un petit peu légèrement à chauffer. Mais il faut vraiment laisser 30 minutes. Hein, parce que si vous laissez 10-15 minutes, c'est pas assez pour que la peau de l'orange vraiment donne tout si bien fait, quoi. On a vraiment besoin de laisser 30 minutes. Après, si vous voulez, je peux vous montrer. Elle est vraiment. Le feu est très doux. Donc, on n'a pas peur que ça brûle. Ça ne va pas brûler. En plus, c'est en bain-marie. Donc, on n'a vraiment rien à craindre. Donc, là, j'ai bien mélangé. On va attendre un petit peu et remélanger pendant 30 minutes. À tout de suite. Ça sent vraiment l'orange. Mais vraiment l'orange en concentré, quoi. Alors encore, peut-être il me reste encore 10 minutes et ça sera prêt. Et voilà, une demi-heure est passée. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, l'huile est devenue bien bien jaune. Et ça sent bon. Donc on va arrêter le feu. Et on va passer soit un chinois ou une passoire, ou si vous préférez avec un bout de tissu. Moi, personnellement, j'utilise une passoire. Et voilà, comme je vous ai dit, je vais passer mon mélange au passoir. Donc, moi, je vais le mettre dans ce petit récipient. Pas petit, il n'est pas aussi petit que ça, hein. Mais bon, je préfère toujours, moi toutes, soit mes huiles, mes crèmes, tout ce qui est beauté, je préfère le mettre dans un pot en verre. Il faut vraiment éviter le plastique. Donc voilà, on va passer tout ça à la passoire. Je vais prendre une cuillère. Et je vais appuyer pour extraire le maximum d'huile. Et voilà, il n'y a plus d'huile. Donc voilà mon huile. Ça sent très très bon. Donc, la dernière étape. Si vous vous rappelez bien, on avait laissé quelques bouts de peau d'orange de côté. Donc, je vais les mettre dedans. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'huile soit froide. Donc, il n'y a pas beaucoup. Il a commencé déjà à refroidir. Voilà. On va mettre nos petits bouts de peau. Et on va fermer. Et là, c'est très bien fermé. Voilà. On mélange un petit peu. On peut l'utiliser tout de suite, mais moi je préfère l'utiliser après quelques jours, 3-4 jours, le temps que la peau que j'ai ajoutée commence vraiment à dégager ses huiles. Donc moi la peau, en général, je l'enlève au bout de 7 jours ou bien 10 jours, donc ça dépend. Comme vous voyez, j'ai fait une petite quantité puisque, comme vous voyez, c'est facile à faire. Je peux le faire quand je veux. Du coup, je préfère en avoir de l'huile fraîche faite maison. Donc voilà, c'est ma recette. J'espère que vous allez essayer ma recette. Alors voilà, mes amours. Donc c'était ma recette du jour. Donc j'espère vraiment que vous allez l'essayer et surtout l'adopter comme j'ai fait. Je vais attendre vos commentaires comme ça.
Vous allez me dire comment ça a été votre expérience. Donc, avant d'oublier, j'aimerais aussi vous demander, s'il vous plaît, de liker, de m'encourager pour faire d'autres vidéos. Et surtout de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche, comme ça vous aurez les nouvelles vidéos et vous pouvez les voir avant tout le monde. Donc, en attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci, merci, au revoir.